Kevin qui fait les salons avec notre Green Arrow personnel, le Green Arrow du pauvre. Hein, voilà. Kevin n'a pas voulu se lever ce matin, c'est moi qui viens. Alors voilà, on va vous montrer un peu le Comic Con de cette année. Donc suivez-nous. Et puis moi en cours de route je vais essayer de le remplacer par la version. Je connais ces Pika Poul, là je. C'est Pika Kitty, c'est Poul Kitty. Ça s'appelle un troll, messieurs dames. Il y a des trolls poules. Oh, il est beau ce nom, disons, je savais pas. Bon, de base, je suis dit le bon. Trop de bien. Merci, Et je passe sur quoi, là, juste avant que je sache. Pas de TV, c'est pour comment pas de TV. Pas de TV de verre, pour monsieur. Alors, on a préféré là. Alors bonjour TVER, alors je fais de la pub pour ma page, moi c'est le cosplayer fou, allez la voir. Bisous. La web télé de Dory vous propose un crossover jamais encore vu. Hein, c'est encore mieux que la Warner, Marvel Studio et tout réuni. Bah, c'est Green Arrow et Iron Man ensemble. Voilà. Sur place. Bon, par contre, il est pas très vivant notre Iron Man. On a fait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait, comme d'hab. Le grand classique de tous les salons, bah, on passe beaucoup de temps à faire la queue. Julien, viens voir. Et toi devant, Qu'est-ce qui se passe? Derrière toi, il y a un stand pour toi. Le temps que Julien boude un peu, j'ai fait quelques photos d'ambiance. Un petit plan là, projet Blair Witch, parce que j'ai perdu Damien, donc je commence à paniquer. Damien, si tu m'entends, retrouve-moi s'il te plaît. Je veux pas rentrer tout seul. Je vous rassure, j'ai retrouvé Julien un peu plus loin, mais comme c'était un peu la folie Arrow et Flash, on a eu des sacs gratuits aux effigies, ben j'ai eu pas mal de photos à faire, enfin, on m'a photographié. Comme
même dans tout ça, basé sur du dessin, la bande dessinée, les mangas, les comics. On a l'allée des artistes qui se trouvent là, si vous voulez des dédicaces et des œuvres originales. C'est là que ça se trouve. Détachement de Stormtroopers est venu faire la sécurité dans le salon. Bon bah alors voilà, le Comic Con 2016 c'est fini pour nous. Il y a encore quelques heures de salon avant la fin pour les autres. Mais nous, ça y est, c'est fait. On a fait le tour. J'ai pas trouvé de Green Arrow remplaçant. Donc on va continuer avec Damien. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a quasiment trouvé tous les personnages. Voilà, regardez les photos, vous allez voir. On a croisé plein du casting. Les autres aussi d'ailleurs. Et puis voilà, sinon, bah, bilan un peu de ce salon, en tout cas de la journée que j'ai faite. Un salon un peu trop petit, on couvre. On a vite fait le tour. On va pas critiquer parce que c'est un peu beaucoup de savon quand même. Il y a beaucoup de côté commercial puisque tous les stands sont en place, sont vendeurs et pas autre chose. Et puis la partie comique est un petit peu laissée de côté, je trouve, parce qu'il n'y a pas beaucoup de BD. Il y a 2-3 stands de bande dessinée, quelques artistes en dédicace, mais les plus grands noms ce sont surtout des facteurs. C'est un peu dommage. Vous verrez aussi. Et puis voilà. Et moi je demande juste un truc à Damien, c'est de remettre le masque, de remettre la capuche et puis après on peut le faire. A plus.